monde. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un petit enchaînement pour travailler les cuisses, les abdos, les fessiers. Donc, cuisses, quadriceps, ischio, abdos, fessiers. Un petit enchaînement qui va durer à peu près, vous avez pour 15-20 minutes. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer sur les genoux. On va venir poser les coudes. Alors, j'ai mis des lestes aux chevilles. Vous pouvez éventuellement mettre des lestes ou faire sans rien. Il n'y a pas de problème. Ça se travaille juste aujourd'hui avec tapis. On va commencer par lever la jambe droite. Pas besoin d'échauffement spécifique non plus. Éventuellement, quelques flexions, extensions avant de commencer, mais franchement, ce n'est pas une obligation. Il n'y a pas de difficulté majeure aujourd'hui. On monte et on relâche. Donc, on commence par la jambe droite. On va pousser le talon vers le plafond et on redescend le genou au niveau de l'autre. Allez, c'est parti. On souffle en montant. Il vous faut aller suffisamment haut, hein, sans cambrer le dos. Serrez vos abdos. Allez, on va garder le genou en haut. Ici, on va faire des petits mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Soufflez bien. 20. On reste. On relâche. Et on lève la jambe gauche. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Soufflez bien en montant. 4, 5, 6, 7, poussez bien le talon vers le plafond, soufflez, 20. Allez, on reste en haut, petit mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Montez bien. On reste. Et on relâche. Et on va se mettre en position de gainage sur les coudes et les pieds. Allez, c'est parti. Donc ici, sur les coudes et les pieds, on souffle bien. On aspire le nombril et on reste. J'ai oublié de préciser qu'il faut faire comme moi, pas comme le chien. Je sais, hein, qu'il y en a qui regardent et qui font pas. Il y en a qui me l'ont avoué. Poussez bien sur vos coudes, repoussez bien. Il vous faut essayer de, comme vous, si vous vouliez, espacer vos omoplates. Allez, on peut faire un petit travail dynamique en même temps. Tout petit travail dynamique. Soufflez bien, rentrez bien le ventre. Encore un petit peu. Allez, 10 secondes. Et on relâche. Alors ici, on va rester sur les genoux. On redresse juste le buste. Les mains ici au niveau des hanches. On serre bien les abdos. Et on va se pencher en arrière. On se penche et on remonte. On inspire en descendant, on souffle en montant. Allez, 1, 2. Alors c'est les fesses qu'on descend, pas trop les épaules. Ce qu'il faut faire attention là, c'est de ne pas partir les épaules en arrière comme ça et pas se faire mal au dos. Donc on garde les abdos bien gainés. Si vous pouvez, vous allez un peu plus bas.
Et soufflez en remontant. Et on reste en bas, tout petit mouvement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si vous pouvez, un peu plus bas. Et 20. On s'allonge sur le dos. Alors ici, on a les jambes un petit peu fléchies. Les pointes de pied relevées vers le plafond. On s'allonge. Les bras le long du buste. On monte les fesses en soufflant et on relâche. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attention, toujours de ne pas cambrer le dos. Serrez bien les abdos. Tirez les pointes de pied vers le plafond. Et on reste, tout petit mouvement. Donc là, vous devez sentir le travail des ischios. On relâche. On repose les pieds au sol. On passe les mains derrière la tête et on fait des relevés de buste. Allez, 1, dégage un peu le menton. 2. En montant, on souffle bien. On rentre bien le ventre. Et on contracte le périnée. Et on reste en haut, tout petit mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soufflez bien. Rentrez le ventre, contractez le périnée. 5, plus haut. 3, 2, 1. Et on relâche. Donc là, vous allez remettre au départ et refaire l'enchaînement 3 fois. Ou 4. Essayez quand même au minimum 3 fois pour avoir un bénéfice, au minimum 3 fois. Voilà, donc quand vous avez fait les 3 fois, si vous êtes lesté, vous délestez. Et vous étirez juste un petit peu. Donc ici, soufflez bien, tirez la pointe de pied vers vous. Vous pouvez aussi étendre l'autre jambe au sol. Donc là, on va étirer ischio et avec la jambe tendue, un petit peu aussi le psoas. L'autre côté. Donc vous pouvez commencer jambes fléchies. Étendre. On relâche, on met une cheville sur le genou opposé, on tire un petit peu les jambes vers soi. Soufflez bien. Et pareil de l'autre côté. Allez, les bras en croix, on pose les jambes sur un côté, on tourne la tête de l'autre côté, soufflez bien, on remonte les jambes l'une après l'autre, pareil de l'autre côté,
contourne les épaules du même côté que les jambes. Et voilà pour aujourd'hui, ça sera fini. Bonne journée à tous, à demain.